j'ai un long métrage, La Miséricorde de la Jungle, qui est en compétition officielle. Il représente le Rwanda. Pour moi, c'est un grand honneur d'avoir ce film ici. C'est un film d'espoir, un film où il y a des soldats qui vont se perdre dans la jungle. Ils vont se confronter à la nature, à leurs propres démons. Ils vont se découvrir et ils vont faire des choix dans tous ces voyages, dans un pays où tout, c'est la survie. Le film a été tourné dans la jungle ougandaise, Bwindi. C'est frontalier du Congo et du Rwanda. C'est difficile partout, mais la francophonie nous a soutenus du début de ce projet quand il était en scénario. Et ça nous a permis à décrocher d'autres financements. Et il y a TV5, il y a Canal+, il y a l'Union européenne, il y a aussi nos pays africains. Les talents d'or, c'est tout le monde rêve de ça. Et je pense aussi que c'est un grand. Pour moi, je pense que ce serait une bonne surprise pour moi, mais aussi c'est un bon cadeau pour mon pays, le Rwanda. Si vous regardez bien, vous allez trouver que ça parle de l'espoir et aussi de la beauté de l'Afrique. C'est positif. Pour moi, le FESPACO, c'est un grand festival africain là où tout le monde. Ils sont ici, les distributeurs, les producteurs. Et c'est un bon endroit de faire le networking et faire marcher son film. C'est nécessaire pour moi et pour tout le monde. Être ici, c'est là où on doit être avec son film.